Le retour du calme à Douchy. Le 5 juillet dernier, les enfants d'Alain Delon révélaient avoir déposé plainte contre Iromi Rollin, pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale sur Loubeau, le chien de l'acteur. Mais ce n'est pas tout, ils ont également demandé à l'ancienne dame de compagnie de l'icône du cinéma de retourner vivre chez elle, dans sa maison de Suresnes, comme ils l'ont indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP dès le lendemain. Depuis, les proches d'Alain Delon ont retrouvé un peu de calme et de sérénité. En témoigne la photo publiée ce samedi 12 août sur le compte Instagram d'Anouchka, la fille d'Alain Delon. L'actrice de 32 ans a en effet posté la photo d'un homme habillé en tenue de sécurité, de dos, en train de surveiller le domaine de la Brûlerie, la résidence d'Alain Delon, située à Douchy, dans le Loiret. Sur le cliché, le garde était également accompagné d'un chien. Hashtag protection rapprochée, hashtag maison sécurisée, meilleure équipe, a ainsi ajouté Anouchka Delon pour illustrer sa photo. Supérieur à supérieur à Alain Delon, découvrez les membres de sa famille Anthony Delon, ce cliché qui en dit long sur la sécurité chez son père après avoir passé quelques jours en Toscane, Anthony Delon est revenu à Douchy, ce samedi 12 août, pour rejoindre son père. L'acteur de 58 ans a notamment publié une photo du portail de la résidence. L'occasion de retrouver le dispositif de sécurité mis en place pour empêcher l'intrusion de visiteurs indésirables. Sur le cliché, on pouvait en effet apercevoir un agent de sécurité, de dos, en train de surveiller la route devant l'entrée de la propriété. De retour à la maison, a écrit le fils de Nathalie Delon pour agrémenter sa publication. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Denis Guignebourg.